Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'ouvrir un coffre-fort. Donc pour ouvrir un coffre-fort, il faudra que vous ayez trouvé une clé comme celle-ci. Donc une ou deux clés, de préférence deux clés, comme ça vous allez pouvoir ouvrir plus de coffres-forts. Donc les clés, vous allez pouvoir les trouver en ouvrant nos coffres ou en tuant d'autres adversaires. Donc quand vous avez une clé, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir un coffre-fort. Donc là, regardez, il y a un coffre-fort avec un seul cadenas juste ici. Mais je pense pas que ça... Non, je pense pas que c'est un bon coffre-fort. Je pense qu'il vous faut obligatoirement deux clés en vrai. Il vous faut deux clés parce que il faut ouvrir le gros coffre-fort à deux clés, juste ici. Donc là, vous voyez, il y a des coffres-forts avec un clé, je pense, avec une clé. Je pense que ça, c'est pas des bons coffres. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment trouver une deuxième clé pour ouvrir les coffres avec deux verrous, deux serrures. Donc là, je vais chercher une deuxième clé et je vais vous montrer l'emplacement du coffre-fort. Alors vous voyez les coffres avec un seul verrou, c'est ce genre de coffre, mais ça c'est pas un coffre-fort, donc ça ne fonctionnera pas avec avec ces petits coffres. Donc il faut vraiment trouver une deuxième clé. Et vous pouvez aussi les trouver posées au sol, hein, comme ça sur la map de Fortnite, les clés, c'est un peu aléatoire. Et donc là comme j'ai les deux clés, je vais pouvoir aller à ce coffre-fort, où il faut deux clés, et ça c'est vraiment un coffre-fort. Hein. Donc là vous voyez des cadenas avec deux clés, bah, vous entrez les deux clés dans les serrures, et là, ben, vous ouvrez le coffre-fort. Et dès que vous aurez ouvert le coffre-fort, ben, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace!